Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Moustacho et aujourd'hui on se retrouve dans la nouvelle mise à jour de Magnet Simulator. Et regardez-moi comment j'ai changé, j'ai que des pets shiny. Ah mince, c'est vrai qu'on peut pas zoner. J'ai eux là, les deux là, avec l'espèce de chapeau, de casquette bizarre. Et j'ai les Dodge. Et j'ai acheté un nouveau sac qui a 5,2 billions. C'est énorme. Et j'ai un nouvel aimant que j'ai racheté en tant que Rebirth, parce que comme vous pouvez voir, j'ai 492 Rebirth. Et oui, j'ai farmé. Et regardez l'aimant, ce qu'il me rapporte. Le pire, c'est dans cette zone, ça me rapporte extrêmement cher. Franchement, c'est trop génial. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez ça, c'est 4 millions par 4 millions. Et du coup, j'ai débloqué toutes les autres zones. Donc on va les visiter tout de suite. Alors je dois vous avouer que j'y suis déjà allée parce qu'il fallait que je gagne de plus en plus d'argent pour m'acheter les Rebirth, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc du coup on va aller dans celle-ci, la zone toute bleue. C'est pareil, là ça rapporte énormément. Après on a celle-ci à 125 Rebirth, voilà. Donc là ça se charge. Celle-ci elle est assez grande et je l'aime bien pour ça parce que il y a plein de pièces. Alors hop, là ça me rapporte 16 millions par 16 millions, c'est énorme. Franchement, ça augmente à une vitesse, les amis. Et enfin, on a cette zone tout là-bas qui est à 250 Rebirth. Et alors là, c'est le summum. Là, cette zone elle est pétée. C'est pareil, elle est grande, il y a plein de pièces. Et là, c'est 43 millions par 43 millions, 55 millions, allez hop. Et on remplit notre sac super vite. Donc là on va remplir notre petit sac vu que ça va hyper vite. Il n'y a pas longtemps quand je disais que j'avais du mal à faire les 230 millions, bah maintenant j'ai fait extrêmement vite en une pièce quoi j'ai fait. Donc là on va terminer, on n'est pas très loin. Allez, allez, allez. On vend, allez, on veut vendre. Voilà, et pour vendre, il vaut mieux aller, je vais vous montrer ça ici, parce que c'est x2 contrairement à la zone du bas, donc du coup ça rapporte énormément. Et du coup en bas, je vais vous montrer, donc j'ai enlevé l'aimant, là vous pouvez acheter des Rebirth, et là je peux acheter 100 Rebirth, donc hop c'est parti, on attend que ça charge, donc on continue de ramasser les pépettes entre temps. Et du coup, je trouve ça trop génial qu'on puisse comme ça acheter les Rebirth. Ça va tellement plus vite. Et on a 32,5 millions de diamants. Donc, on va se permettre d'ouvrir ces œufs-là qui sont à 6 500 000. Donc, vous êtes prêts, les amis? Allez, on s'en ouvre. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, parfait. Ouh, ouh là 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 là. J'ai hâte de voir leurs stats. Alors attends, il y a lui. Oh là là, 2750. Oh la vache. La vache. Alors je vais déséquiper tous ceux que j'ai, parce que du coup à comparer ils sont noobs. Allez, on déséquipe tout ça. Et du coup bah, on va direct mettre les derniers. Voilà comme ça. Ouais, c'est franchement, ils ont des stats pétés. Hein. Hop. Et hop. Franchement, là, on a de ces pets, les amis. Oh, c'est trop délire. Oh là 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 là. Donc, on va remonter. C'est du coup, là, on va prendre mes... Oh la vache. Oh là 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 là. On va tellement vite. Je crois que c'est le simulateur, un simulateur de riche en fait. On devient riche trop vite. C'est génial. Il faut que j'enlève les trades. Hop. Oh là 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 là. J'adore ce jeu.
D'ailleurs, je vais faire un petit giveaway de pets si ça vous intéresse, vu que j'ai des pets shiny qui sont assez forts pour ceux qui commencent le jeu, même qui sont pas shiny et qui sont très très forts. Donc vous me dites si ça vous intéresse dans les commentaires que je fasse un petit live giveaway. Comme ça, je le ferai. On est déjà à 3 billions. C'est trop cool. Et voilà, et voilà. Je vais tellement vite qu'à chaque fois je me casse la margoulette. Les belles petites pièces. C'est vrai qu'il est vraiment rapide. C'est le simulateur le plus rapide, encore une fois, que j'ai fait. Parce que là, waouh! En peu de temps, 592 rebirths, allez hop! Et bien sûr, le but aussi, ce sera d'acheter un aimant beaucoup plus costaud. Parce que celui-ci est bien, mais il vaudrait mieux en avoir un costaud. Voilà, on va vendre. Hop! On vend. Oh là 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 là! Oh la vache! Voilà, 100 rebirths en plus. Et combien on va avoir? 64 millions. Ah, ça c'est cool. Donc on va voir si on peut s'acheter un aimant. Allez, allez. Ah la vache. Bah, je vais acheter celui-ci à 85 millions. Ah bah non, je peux pas, c'est 64. J'ai que 64. Oh là 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 là, alors là lui, waouh. Lui c'est le top du top, hein. Alors regardez les amis, j'ai Rebirth encore et encore et encore, et on est à 1192 Rebirth. Donc du coup on va Rebirth une dernière fois. Et on va acheter déjà, on va attendre que ça compte, on va acheter un aimant. Et après on va racheter des œufs, hein, parce qu'après tout, autant essayer d'avoir des pets encore plus pétés. Pour l'instant, ça a toujours pas compté. Allez, cherche-toi. Ouh. Bon, tant pis, on va essayer de s'acheter un aimant. À moins que j'étais à 1092 et que je suis passée à 1192. Alors, 6,2 millions, 85 millions, 450 millions. Eh ben, on va s'acheter celui-ci. Voilà. Et maintenant, on va s'acheter des œufs. Des beaux petits œufs. Allez, on spam clic, on spam clic, on spam clic. Parce que si on en fait des shiny, alors là. Là, je t'explique même pas les stats, hein. On va d'ailleurs aller là directement pour savoir si on peut. Ah, je crois que j'en ai vu un. Oh, trop génial! Trop, trop, trop génial. Attends, on va voir ses stats du coup. Où c'est qu'il est le shiny? Shiny. Ouh là 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 là. 1600. Alors, 1600, on va le jarter. On va mettre le 4125, pardon. Là, on a 1450. On va le jarter. C'est du coup, là, 2750, 2150. 1600 et 2400. Donc en fait, on va enlever tous ceux qui ont les stats les moins élevés. C'est lesquels que j'ai pas enlevé? Ah mais non, mais c'est mon shiny que j'ai. Donc voilà, on met lui. Après, on va mettre bah lui. Vu que c'est le plus fort. Et voilà. Pourquoi j'ai que deux pets? Ah, voilà. Donc du coup, on va de retour récupérer. Non mais là, on va aller, mais... Oh là là, mais j'ai déjà... Oh là là, mais l'argent que j'ai déjà. La vache. Bon bah écoutez, on va revendre, re-rebirth. De toute façon, on va faire ça pour gagner un maximum de diamants. Hop, rebirth. C'est reparti, on reva dans la zone. Parfait. Il y a 1292. Donc à mon avis, c'est ça tout à l'heure. J'étais à 1092. J'ai vu 1192.
Hop, on va de retour aller vendre. On va tellement vite. Allez, Rebirth. Je crois que c'est le moyen le plus facile de rebirth dans un simulator. On va tellement vite. Bon allez, on va essayer d'aller vendre que ça pour voir. Ouais bah ça sert, c'est assez. Sauf si ça a augmenté les rebirths. Ouais, un tout petit peu, j'ai encore assez. Hop. On va rebirth encore une fois. Et puis bah on va essayer de s'acheter des œufs encore. Hein. Et puis après je vais rebirth hors caméra pour pouvoir acheter le dernier aimant. Donc ça je pense que ça va être très très long. Là je pense que c'est assez. L'habitude de rester longtemps en fait pour avoir les pièces, mais non. Là c'est assez. Oula. Oh là là. Ah c'est chaud, je vais tellement vite. Voilà, et du coup on va s'acheter des œufs. Hop, on spam clique encore la souris pour avoir de superbes œufs. Est-ce qu'il y en a que je peux faire shiny? Oh yes! Oh trop cool! Du coup, c'est quoi ses stats? Où c'est qu'il est la shiny? 2400, alors que de base il est à 1600. Donc en fait, ça revient au stade des pets que j'ai équipé là. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode de Magnet Simulator. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine! Bye bye!